Monsieur Alain Leboeuf. C'est un, avec émotion, profondeur aussi, que j'accueille cette confiance que les collègues conseillers départementaux ont souhaité me faire. Au moment du vote du président, quand j'ai pu constater que c'était l'unanimité derrière un président, je me dis que là, on est en train de se retrousser ensemble les manches pour réussir un projet pour la Vendée, pour réussir pour les Vendéens. Les élus départementaux qui viennent de se rassembler depuis ce matin dans l'hémicycle ont été choisis par les Vendéens. Et les Vendéens ne se sont pas trompés. Ils ont choisi dans tous les cantons la majorité départementale. Et là, depuis ce matin, je sens quelque chose. La Vendée est mon pays. Je m'inspire aussi de ce qu'elle est. Et j'essaie d'y apporter ma touche, ma patte, dans des moments où la Vendée doit évoluer. Je suis intimement persuadé que notre département est en mutation, je dirais plus en transition. Et cette transition, il va falloir que nous l'inventions dans tous les domaines. La transition, je commencerai par le social. Il va falloir que nous continuions à réfléchir à ce qui sera le mieux adapté pour nos aînés, pour notre enfance, pour nos jeunes dans les collèges. Mais ces transitions, elles vont devoir aussi s'effectuer dans l'attention que nous aurons au monde économique, à l'agriculture, à la pêche. Ce début du XXIe siècle est marqué par un besoin de transition, là aussi écologique, énergétique. Et puis, ces transitions, ça va être les transitions autour du numérique, une chance inouïe pour nos territoires ruraux. Eh bien, ensemble, avec l'ensemble des 34 conseillers départementaux, nous allons relever ces défis. Nous avons cette passion chevillée au corps qui va nous permettre d'être au vrai service de l'ensemble des Vendéens.